Moi, dans ma vie personnelle, ici en Belgique à Liège, je ne vis pas d'homophobie au jour le jour. À mon âge, à 30 ans, en tout cas, j'ai pu choisir mes cercles d'amis. J'évolue aussi dans un environnement professionnel où ça ne me pose aucun problème. Mais voilà, je pense que j'ai dû faire des choix pour y arriver. J'ai quand même dû faire un tri à un certain moment donné pour voir des personnes avec qui je pouvais me sentir à l'aise. Pareil au niveau professionnel. Disons que si jamais je n'étais pas avec des gens qui étaient ouverts d'esprit, à qui ça ne posait aucun problème réellement au fond d'eux, bah, c'est certain, j'aurais changé de travail. J'ai mis très très longtemps d'abord avant de pouvoir admettre que j'étais homosexuelle. Parce que j'avais pas du tout été éduquée, j'avais pas de personnes autour de moi qui ont pu me soutenir ou même me parler de ça. Donc j'ai mis vraiment très longtemps, il a fallu que je termine mes études et que je commence à travailler, à être indépendante financièrement avant de pouvoir me poser les bonnes questions et pouvoir réaliser que j'étais... Enfin voilà, que je ne faisais pas vraiment ce que j'avais envie au fond de moi et que j'étais pas si bien que ça dans ma peau. Parce que finalement, c'est pas simplement un problème d'homophobie, c'est les questions relatives au genre parfois, simplement au rôle de la femme. Donc quand on va nous dire dans votre couple qui fait la vaisselle, qui lave, qui repasse, c'est des questions qui sont posées parce que les élèves assimile ces tâches-là simplement à des tâches féminines. Alors on y répond, on est sûr d'expliquer qu'on n'a pas des rôles prédéterminés. Ça touche plus au genre en général plutôt que juste à l'homosexualité. On avait toutes les deux envie de porter. Je sais bien que ça ne fonctionne pas dans tous les hôpitaux de la même manière. On est allé donc dans un hôpital à Liège. On a d'abord dû rencontrer une gynécologue puis une psychologue. Ensuite, elles ont discuté de notre cas en commission avec d'autres personnes. Je ne sais pas qui en fait est intervenu. Puis quand on nous a dit que c'était possible, on a rencontré une biologiste. Et avec la biologiste, on a pu entre guillemets choisir un donneur. On n'a pas le choix, ce n'est pas un catalogue publicitaire, mais c'était suivant des critères médicaux et aussi notre phénotype. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre un donneur qui ressemblait à ma copine ou qui me ressemblait à moi, donc ça allait de type asiatique à type caucasien, on va dire, avec des cheveux bruns. Puis alors on a choisi et les inséminations ont commencé. On l'a fait parce qu'on n'a pas le choix, on est obligé de s'y soumettre et c'était pas possible de le faire, en tout cas à Liège, ça c'est certain, c'est pas possible de le faire dans un hôpital, enfin de manière médicalisée, encadrée, sans voir de psychologue, donc on s'est soumis au jeu. Mais c'est vrai que les deux entretiens d'une heure qu'on a eu avec la psychologue, on les a appréhendés et on ne les a pas vécus de manière très positive. C'est-à-dire qu'il y a quand même des questions qui nous ont dérangées par rapport à... On nous a demandé si par exemple il y aurait une présence masculine, on nous a parlé du complexe d'Édipe. Il y a quand même des questions qui nous ont dérangées, on a dû y répondre et on est content que ce soit passé, mais effectivement, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Oui, dans certaines questions qui nous ont été posées, on a pu avoir l'impression, en tout cas, que la psychologue n'avait pas une certaine ouverture d'esprit non plus. Pour elle, une femme avait un rôle maternant, mais qu'est-ce que c'est être maternant? Est-ce qu'un homme ne peut pas être maternant? Est-ce qu'une femme... ne peut pas avoir d'autres compétences aussi simplement que d'être maternante. Moi, je le pense.